que d'espérer un grand amour. Quand te décideras-tu pour Eugénie? Et notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée. Il vaut mieux attendre pour viser mieux. Alors voilà toute l'affaire. 200 000 ? Un immeuble à Paris, ce serait pour vous une forme d'accomplissement. Il faudra que j'aille à la boucherie. De la viande. Le bouillon, c'est bien assez. Sans argent, qui voudrait de moi ? Qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur ? Je suis Charles Grandet, le fils de votre frère. Si vous le souhaitez, cet après-midi, je vous emmènerai voir le pays. Volontiers. Vous n'avez jamais quitté ces lieux. Parce que vous croyez qu'on m'y autorise ? Je vous montrerai Paris un jour. Enlevez-vous tout cela de la tête. Et puis tu le connais à peine. On jase beaucoup en ville sur la façon dont vous traitez votre fille. Est-ce que l'idée d'avoir à payer une dot vous arrache le cœur ? Pas un liard ne sortira de ma poche pour acheter un mariage à ma fille. Il a fallu que vous sortiez avec mon neveu pour faire courir les rumeurs les plus folles dans son mur. Elle va devoir partir. Tu ne le verras plus jamais. Il te veut pour lui. Pour lui seul. Il est de bon ton de ne rien attendre pour une femme, si ce n'est la volonté des hommes, de tous les hommes. Tu ne veux pas d'un mari non plus. Aucune société n'acceptera de fréquenter une femme seule. Croyez-vous que j'en ai besoin de cette société ? Mais qu'est-ce que vous allez...